des faits anciens que l'on étudie sont brouillés par rapport à l'histoire qui travaille à partir de textes et qui peut s'intéresser à des concepts. L'archéologie traite surtout de faits matériels. Donc il va être difficile de parler d'archéologie de l'amour à partir des témoins archéologiques. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même, surtout pour les périodes récentes. Je pense aux fresques de Pompéi, qui décrivent en détail les façons de faire l'amour. Ça n'a de sens que par rapport à un état de civilisation évolué. C'est-à-dire la période archaïque, dans les cycles culturels, ça représente toujours le début, considéré comme une période de faible développement culturel. Or, lorsqu'on étudie l'archéologie, on s'aperçoit que cette idée de partir d'un état simpliste des choses vers un état compliqué, que c'est faux en réalité. Ce qui s'est passé souvent, qui peut donner l'idée d'un archaïsme, c'est que pour les périodes anciennes qu'on étudie grâce essentiellement à l'archéologie, il y a eu des périodes de crise et des périodes de glorieuses. Donc c'est comme dans les temps actuels. Donc on peut penser que dans les périodes anciennes, il y a eu des périodes fastes et des périodes de crise. Donc souvent, lorsqu'on étudie une civilisation dite évoluée, et lorsqu'on parle d'archaïsme à ce moment-là, ou de période archaïque, ça fait référence à une période de crise antérieure. Mais il ne faut pas imaginer l'évolution de l'humanité comme quelque chose qui part d'un état très barbare, très simple, en allant vers un état très évolué. C'est qu'on part de quelque chose qui est méconnu, mal connu ou inconnu et on essaie d'apporter un éclairage nouveau. Le métier de chercheur, c'est ça. Mais dans le métier de la recherche, le plus important, c'est certainement pas d'acquérir des connaissances nouvelles, c'est de poser des bonnes questions. Parce que souvent, on est sur des schémas de pensée de prédécesseurs qui sont admis. Bon, soit on continue à les admettre, soit on pratique ce qu'on appelle, nous, le doute scientifique. Le doute scientifique de Descartes, par exemple. Donc c'est une posture qui nous permet de remettre en cause les acquis, entre guillemets, ou certains acquis, ou des choses qu'on croit établies et intangibles, et de voir si, par des méthodes d'investigation nouvelles, ou par le recensement d'une quantité de faits beaucoup plus conséquente que ce qu'avaient nos prédécesseurs, on peut progresser dans le domaine. En archéologie, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les faits isolés. C'est pas dire « Ah, tel objet, il est bien parce qu'il est comme ça ». Non, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les phénomènes récurrents, c'est-à-dire les constantes. Si on peut arriver à mettre en évidence des constantes, elles auront une signification. Alors, quelle est cette signification? Elle peut être culturelle, artistique, elle peut être simplement fonctionnelle. On peut imaginer, par exemple, que si des gens faisaient des poteries qui avaient telle et telle forme, c'est qu'elles étaient destinées à faire des préparations culinaires de tel et tel type. Est-ce que c'est du frit? Est-ce que c'est du bouilli? Après, il faut s'interroger. Est-ce que c'est des vases simplement pour consommer ou pour cuisiner? Alors, la citoyenneté... En archéologie, c'est un concept qu'on ne peut pas atteindre. Par contre, il est bon que les archéologues aient un comportement eux-mêmes citoyen. C'est-à-dire que ce n'est pas une discipline réservée à quelques individus qui font ça pour se faire plaisir.
mais c'est une discipline de l'acquisition de connaissances de type historique, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes catégories de faits que l'on met en évidence. Mais il est très important que les archéologues, qui dépensent quand même de l'argent, des moyens, venant de la société pour exercer leur travail, puissent rétrocéder toutes ces connaissances au public, principalement sous forme de publications, mais pas que des publications réservées à des cénacles spécialisés, mais aussi des publications grand public, des expositions, des films, donc tout un tas de médias qui font passer l'information à des niveaux différents, c'est-à-dire du niveau le plus spécialisé, qui va intéresser que les chercheurs sur des points particuliers, mais aussi le grand public pour des informations que d'autres sources ne peuvent pas donner. Notamment pour la préhistoire, il est évident qu'on n'a pas de sources textuelles qui puissent nous renseigner sur ces périodes. Donc il n'y a que l'archéologie qui peut nous donner des connaissances sur ces périodes. Alors la couche, c'est très important, ce qu'on appelle la couche archéologique, mais que le mot en lui-même soit sans doute mal adapté. La couche, c'est, ou le niveau. Le niveau, souvent, c'est une subdivision à l'intérieur d'une couche. C'est ce qui nous permet de travailler sur la stratigraphie, c'est-à-dire la succession des couches forme des stratigraphies. Et ces stratigraphies nous donnent l'échelle de temps relative. C'est-à-dire, on peut dire que ce qui est dans la couche du dessous est plus ancien que ce qui est dans la couche du dessus. Voilà, c'est le principe de base, en gros, de la géologie, qui est une science naturelle, mais aussi de l'archéologie. Tout d'abord, il y a une archéologie chrétienne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le christianisme s'est développé, on va reconnaître des pratiques, notamment au niveau des sépultures, on va reconnaître des pratiques liées au christianisme. Ce qui fait que lorsqu'on fouille des tombes, si on trouve des sujets allongés avec la tête à l'est, et si ça forme un cimetière où toutes les tombes ont cette même orientation, on va avoir des raisons de penser qu'on a affaire à des tombes chrétiennes. Ceci dit, il y a beaucoup de peuples qui pratiquent qui ont les mêmes pratiques et qui ne sont pas obligatoirement chrétiennes. Donc, c'est pas un critère absolu, mais... L'archéologie n'est pas un métier libéral, donc il n'y a pas d'honoraire en principe. Sauf que depuis le passage des nouvelles lois sur l'archéologie préventive, on part du principe que l'aménageur doit être... C'est le même principe que le pollueur sera le payeur. Là, c'est l'aménageur sera le payeur des fouilles. Donc les fouilles, il faut savoir que ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'on fait intervenir du personnel de haut niveau. Sur les grandes fouilles préventives, il faut des engins mécaniques qui vont décaper le sol. Il y a ensuite des études de laboratoire, donc ça peut coûter quand même l'archéologie préventive. Il faut reconnaître que, notamment en milieu urbain, elle peut coûter très cher. Et parfois même, l'aménageur, lorsque c'est un petit aménageur, n'a pas obligatoirement les moyens de payer une grande fouille. C'est un peu hasardeux, je dirais, parce qu'en archéologie, on ne sait jamais ce qu'il y a dans le sous-sol. Et on peut avoir un site pas très intéressant, à un endroit où on aura tous les financements voulus, et on peut avoir un site extrêmement intéressant, à un endroit où on n'aura aucun financement, ou peu de financement. Donc il faut s'adapter.
L'idéal, ce serait évidemment de dire que, vu l'importance de tel ou tel site, que plutôt que de le fouiller, il vaut mieux le conserver. Il vaut mieux ne pas toucher. Il vaut mieux ne pas détruire, ne pas toucher. Ça veut dire qu'on va geler un projet immobilier ou d'aménagement. Ça pose problème. Ça pose problème au niveau social. Surtout qu'on est en temps de crise et que donc c'est toujours difficile de dire à des responsables politiques qu'on va leur bloquer tel ou tel projet. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Je suppose que si la Joconde était sur le bord d'un chemin où passent des gros véhicules, on ferait quelque chose pour enlever ce tableau de là. Lorsque c'est un site archéologique, le problème est le même. On peut avoir un très beau site archéologique dans un endroit incongru ou menacé. Voyez. Donc il faut faire quelque chose pour le sauver. Il peut être intéressant de trouver des habitudes des hommes anciens. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire, les habitudes, on pourrait le traduire par... c'est le comportement, en gros. Donc on a des comportements particuliers qui ont une signification culturelle. C'est-à-dire des comportements, des pratiques reconnaissables. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de les retrouver, parce que l'archéologie, par nature, on travaille sur des choses qui sont mortes, qui ne sont pas vivantes. Donc l'habitus, ça concerne des gens vivants. Mais par les traces que ces gens vivants ont laissées, même s'ils sont morts, on peut arriver à trouver des constantes qui peuvent correspondre à des habitus. Non, c'est pas un cèpe, il y a des lamelles. La préhistoire s'inscrit clairement dans une démarche darwiniste, évolutionniste, c'est-à-dire une démarche scientifique qui va expliquer l'origine de l'humanité comme un continuum qui s'inscrit dans l'origine de la vie et dans le développement de la vie sur la Terre. Les archéologues, les préhistoriens en particulier, font partie de ce qu'on appelle les néo-évolutionnistes. Donc l'idée que la vie se développe par buissonnement et que l'homme est clairement inscrit dans cette évolution, pas l'évolution uniquement de l'homme, mais l'évolution de toute la vie. Et donc ça nous porte évidemment obligatoirement vers l'écologie et les questions d'équilibre entre l'homme et son milieu. Et puis on a aussi des références à ce qui s'est passé dans les temps anciens, au fait que des branches d'êtres vivants se sont développées, ont eu une espèce d'hégémonie à un moment donné, puis qu'elles ont disparu. La vie a évolué par sauts, il y a des moments d'évolution où quelque chose va se diversifier, et puis au bout d'un moment, ça disparaît et c'est remplacé par autre chose. Donc la grande ère des reptiles a été remplacée par l'ère des mammifères, etc. Mais en gros, il y a quand même un sens dans tout ça. Il y a un sens. Donc nous, on en fait partie. On est dans le même processus. Alors, est-ce que l'évolution de l'humanité va vers le bien ou vers le mal? Là, c'est beaucoup plus difficile à dire. Et est-ce qu'elle va se poursuivre? C'est-à-dire, est-ce qu'une nouvelle humanité va nous remplacer à nous? Est-ce qu'un homo sapiens trois fois va remplacer l'homo sapiens deux fois? Qui lui-même a remplacé l'homo sapiens une fois, c'est-à-dire les Néandertals.
avec des capacités intellectuelles supérieures. Là, on est dans l'énigme. Vu tout ce qui s'est passé antérieurement, on a tendance à considérer qu'effectivement, un jour ou l'autre, soit il y aura une évolution, soit il y aura un clash et il y aura une disparition. Parce que, de toute façon, le monde n'est pas éternel. Donc, tout a une fin. Donc, un jour ou l'autre, il y aura un clash. Mais est-ce qu'on sera remplacé si nous, on disparaît, si les homo sapiens de foi disparaissent? Est-ce qu'on aura laissé un potentiel de biodiversité suffisant sur Terre? Est-ce qu'on n'aura pas trop pollué la Terre? Est-ce qu'on l'aura pas rendue trop chaude pour qu'une nouvelle humanité apparaisse et se développe selon d'autres principes que les nôtres? Ça, bon, c'est des questions qu'on peut se poser. On n'a pas matière à y répondre, mais... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'actuellement, on a les moyens de détruire très rapidement l'humanité. L'humanité et aussi la vie, presque, sur Terre. On sent qu'on a les moyens de le faire. Et on pressent qu'il va y avoir des gros problèmes. Mais qu'est-ce qui succédera après? Est-ce qu'il y aura quelque chose de plus évolué? Ou est-ce qu'il y aura un retour en arrière? Avant que de nouveau tout un processus d'évolution se reproduise sous d'autres formes. De toute façon, ce sera dans le temps limité que durera le système solaire. On sait bien qu'un jour ou l'autre, dans quelques millions d'années, le système millions ou milliards d'années, que le système solaire implosera. Donc, il n'y aura plus de vie sur Terre. Est-ce qu'on aura le temps de la déplacer ailleurs? Ça, c'est une autre question. En archéologie, il y a des écoles, c'est-à-dire, mais ça concerne surtout le monde anglo-saxon, où le monde anglo-saxon est structuré, les universités du monde anglo-saxon sont structurées d'une telle façon qu'on oblige pratiquement les chercheurs à s'identifier à une école de pensée qui va se mettre en porte-à-faux par rapport aux autres écoles, contemporaines ou antérieures, et qui va chercher à avoir le leadership pour attirer les étudiants, en sachant que dans les universités anglo-saxonnes, anglaises ou américaines, ou australiennes ou autres, ou canadiennes, les études universitaires coûtent très cher, et que les universités sont quasiment privées, et que donc, pour attirer les étudiants qui paient très cher, il faut qu'il y ait des vedettes. Donc là, on est dans un système d'école, où l'école est identifiée en général à un ou quelques profs prestigieux qui fondent une école géographiquement localisée et dans laquelle les étudiants sont formés à l'école de pensée du maître. Il y a aussi des modes, hein. Il y a des modes. On est passé d'une archéologie en gros des peuples, expliquant les changements par des remplacements de population, à une archéologie des processus, c'est-à-dire une archéologie qui table sur l'économie, la démographie, qui met en avant les relations entre l'homme et son milieu, les changements de climat, etc. Maintenant, on est plutôt dans d'autres types de pensées que je ne partage pas toujours, moi d'ailleurs, mais qui sont, par exemple, de dire que le culturel, les croyances priment sur l'économie ou tout autre élément. C'est-à-dire qu'on explique, par exemple, la révolution du néolithique plus par un phénomène de croyance, d'un changement religieux qui aurait lui-même provoqué des changements économiques. C'est-à-dire qu'il y aurait des leaders, qui auraient créé des nouvelles religions, qui les auraient imposées, et qui auraient émis des préceptes que les gens auraient suivis. C'est-à-dire que les changements ne s'expliqueraient pas par la démographie, l'économie, etc. Ils s'expliqueraient par des idéologies anciennes qu'on ne peut pas réellement connaître, mais dont on peut avoir un reflet par l'art, notamment. Thank you.
bien couper le temps en périodes et on cherche l'origine de cette période. Parce que parler de l'origine globalement, ça n'a pas le même sens. C'est-à-dire l'origine de l'espèce humaine, c'est un problème. L'origine des sociétés hiérarchisées, c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec le premier. Donc nous, on met toujours un S à origine. On met un S parce que ce qu'on cherche, c'est l'origine de tel ou tel phénomène. Il y a l'origine au sens géographique et puis l'origine au sens temporel. L'origine géographique, ça, c'est un domaine sur lequel on peut aller loin dans l'archéologie. Par exemple, de Provence, nous, les silex qu'on a utilisés en Languedoc sont des silex qui viennent de Provence, ce qui veut dire qu'il y avait des flux d'échanges réguliers, importants. Et on n'imagine pas tellement ça pour la préhistoire. La préhistoire, en général, les gens ont tendance à penser que les hommes vivaient en vase clos, dans leur petit bout de forêt un peu défriché, et qu'ils n'avaient pas d'échanges. Or, c'est faux. Tout ce que l'on voit dans la préhistoire, pour le néolithique en particulier, ça montre que les gens échangeaient, ils circulaient. Et même on pourrait définir le néolithique comme une période où au tout début, chacun savait faire un peu tout, à partir de ce qu'il avait sur place, et qu'à la fin, on est dans quelque chose de très moderne, pratiquement analogue à nos cultures actuelles, où les gens étaient cantonnés à un registre du savoir-faire, et tout le reste était importé, c'est-à-dire c'était des consommateurs. Alors évidemment, ce n'était pas des consommateurs de CD-ROM, de disques ou autres, mais c'était des consommateurs de pièces déjà faites par des artisans. Et souvent, elles venaient de loin, elles pouvaient venir de 200 ou 300 km, voire plus. Hein. Donc il y avait des navigateurs, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui circulaient, des colporteurs qui vendaient leur production, qui la vendaient ou qui l'échangeaient contre d'autres choses. Et finalement, la préhistoire, qui au départ était simplement l'étude d'objets, maintenant ça devient l'étude des circulations. Ce n'est pas la mondialisation au sens actuel, mais on a pu prouver récemment, en particulier, qu'il y avait des contacts en plein milieu du néolithique. Il y avait des contacts, en gros, entre la Bulgarie et la Bretagne. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes symboles gravés, en Bulgarie, faits en métal, en or ou autre, pour des parures, et on va retrouver les mêmes objets gravés dans les dolmens de Bretagne. Ce qui veut dire, ça paraît inconcevable, mais ça veut dire que, d'une certaine façon, l'information a circulé. Elle a circulé sur 3800 km. Alors, par quel biais? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui circulaient ou très peu? Ça, c'est d'autres questions. Mais en tout cas, l'information circulait. Donc, elle circulait pour nos régions, en gros, entre la mer Noire et l'Atlantique. Mais j'ai pas pris de bâton, rien. Je regarde quand même. Bien sûr. Alors l'originalité, ben là, ça concerne plutôt les archéologues. C'est-à-dire, il y a des archéologues qui ont une pensée, je dirais, coutumière. Hein, c'est-à-dire que ils seront pas partisans de trop changer les choses. Et puis, il y a des archéologues originaux. Quels sont les plus sérieux dans le domaine? C'est difficile à dire, parce que l'originalité peut conduire aussi à des propositions qui ne tiennent pas la route. On l'a vu souvent à l'archéologie. Disons que trop d'originalité, ça peut être un peu suspect. Ou ceux qui veulent à tout prix faire de l'originalité, Ça peut paraître suspect. Cependant, il ne faut pas nier le fait qu'il faille faire des propositions originales, parce que sinon on n'évolue pas. La pensée est figée, et ça stérilise complètement la discipline. Donc il faut de l'originalité, mais peut-être pas trop et dans tous les sens, quoi. Il faut la canaliser.
toujours. C'est une science lente parce qu'elle est procédurière. On ne peut pas aller trop vite en archéologie parce que le processus d'acquisition des faits est long. Il est long, il faut fouiller, il faut étudier les objets. En général, c'est long. D'ailleurs, ça décrédibilise un peu certains archéologues parce qu'une fouille est faite, puis pendant des années, on n'entend plus rien. On voit les publications paraître 10 ans après. Disons que l'éventuel public qui a assisté aux fouilles ne comprend pas pourquoi il faut autant de temps. Bon, mais il faut savoir que le traitement des mobiliers, l'enregistrement des connaissances, tout ça, c'est long. C'est long, donc on peut considérer effectivement que l'archéologie est une discipline qui a une certaine lenteur. Lorsqu'on étudie un phénomène, plus on va l'étudier à une grande échelle, ce qui est le plus intéressant, il vaut mieux étudier des faits à grande échelle que des faits à toute petite échelle. Ça va nous amener à consulter des centaines et des centaines d'ouvrages, parce que l'archéologie ne progresse que par un cumul de connaissances, en gros. L'important, ce sont les phénomènes récurrents, c'est-à-dire ce sont les constantes. Donc, il faut accumuler beaucoup de savoir pour arriver à construire des systèmes d'explication qui tiennent la route. Et comme les faits archéologiques ne sont pas consignés dans des bases de données ou dans des bibliothèques, il ne faut pas hésiter à aller visiter des musées, voir des collections. Souvent, ce qui est publié dans les livres peut être insuffisant pour renouveler une question. Donc, on est obligé de revenir aux objets eux-mêmes. Ce qui veut dire que si on s'intéresse, par exemple, à la diffusion de certains types d'objets en silex, si on veut examiner, si on veut progresser dans la question, les descriptions qui seront faites dans les publications ne seront pas suffisantes toujours pour être sûr qu'on a affaire à tel ou tel silex, venant de tel ou tel endroit. Donc on est obligé d'aller visiter les collections, de regarder les objets au microscope, de faire des analyses pour être sûr que ce que l'on va dire est juste. Donc là aussi, ça, on revient à la lenteur, hein, donc les procédures sont longues. Et plus on veut traiter une question à grande échelle, plus c'est long, parce qu'il faut se déplacer, il faut... Il y a des linguistes qui font une sorte d'archéologie des langues. Par rapport à nos langues actuelles, on remonte à des strates de langues plus anciennes. Et puis, en remontant aux racines des mots, et je dirais presque par le chant de la langue, par l'agencement des sonorités, qui peuvent rappeler des mots, on arrive à faire une archéologie des langues. C'est-à-dire, on reconnaît très bien, par exemple, même si on ne sait pas parler le gaulois, on peut recenser tous les mots gaulois et connaître même leur signification. Alors qu'on a très peu de textes écrits en gaulois. Il y a peut-être 50 ou 80 textes écrits en gaulois, et qui sont souvent des textes très courts, ce sont des épitaphes ou... Il y a le fameux calendrier de Coligny à Lyon, mais enfin, il y a très peu de choses connues sur la langue gauloise. Mais à partir de ça, et de comparaison avec le celte, avec les langues celtiques résiduelles qui étaient encore bien pratiquées et écrites au Moyen-Âge, on arrive à reconstituer des pans entiers du gaulois. Et on voit que d'ailleurs, on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure il n'y a pas de si grande différence avec le latin ou avec le grec. Peut-être qu'il y avait même intercompréhension entre les Celtes et leurs envahisseurs gaulois ou grecs selon les zones de l'Europe concernées. Il y a beaucoup de spéculations dans cette histoire-là. Donc, on continue à progresser, il y a toujours des recherches qui se feront.
Et en confrontant archéologie et linguistique, peut-être qu'un jour on arrivera à mieux préciser les choses. Ça c'est fondamental. Si tu fais appel à l'organisation de l'archéologie elle-même en France, bon, elle est assez compliquée. C'est assez compliqué parce que la France est un pays où on aime bien faire des millefeuilles, c'est-à-dire on juxtapose des choses, on en laisse mourir certaines, les plus anciennes, et puis on crée des nouvelles à côté. Puis celles-ci ont une durée de vie limitée, donc quand quelque chose ne va pas, on refait quelque chose à côté qui aura sa propre vie, etc. Donc l'archéologie en France actuellement, elle dérive d'une situation en gros qui est née dans les années 40, quoi, à partir du moment où l'archéologie s'est vraiment bien organisée au niveau territorial. Là je parle pour la France. Donc elle a été très forte avec la mise en place par le ministère de la Culture des directions des Antiquités, qui de nos jours sont en perte de vitesse parce que noyées dans les directions régionales des affaires culturelles. Donc avant elles avaient une capacité d'action, maintenant pratiquement elles sont souvent réduites à un travail d'administration. Elles administrent ce que font d'autres organismes qui peuvent être le CNRS, l'université, mais surtout actuellement les entreprises d'archéologie préventive, qui sont les principaux acteurs de l'archéologie. C'est un problème de nombre. Hein. Actuellement, je ne sais pas combien il y a d'archéologues en France, peut-être 3 000 à 4 000. Dont près de 3 000 peut-être plus même, dans les entreprises d'archéologie dites préventives, c'est-à-dire ceux qui font les fouilles. On a des traces de massacres dans plusieurs sites néolithiques. Pourquoi il y a eu ces massacres? Est-ce que ce sont des guerres? C'est sans doute le résultat de guerres, de conflits intertribaux. Mais est-ce que ces populations étaient de même nature? Est-ce qu'il y avait... Quelle est l'origine des conflits qui les opposaient? Est-ce que c'est simplement parce que un groupe a pris le territoire d'un autre? Ou il y a eu un enlèvement de Sabine? On a volé des femmes quelque part? Où on a volé des vaches? Bon, est-ce que ces conflits de la préhistoire sont uniquement des problèmes de ce genre, des contentieux en gros liés à des comportements malfaisants, ou bien est-ce que déjà il y avait des idéologies qui opposaient les gens? Ça, on ne peut pas répondre, mais c'est pas exclu. Les gestes, paradoxalement, ça paraît inaccessible hein, par l'archéologie. Mais ce qu'on va retrouver, ça peut être le résultat de gestes qu'on peut, en analysant bien, par exemple, une œuvre d'art, on peut retrouver les gestes de l'artiste qui l'a faite. Bon, par exemple, le plus connu, c'est pour l'art paléolithique. On s'est aperçu que ce qu'on croyait peint au pinceau, en fait, n'est pas peint au pinceau, c'est de la peinture projetée, de la peinture avec de l'eau projetée par la bouche.
c'est-à-dire souffler sur le mur. Lorsqu'on trouve un objet, un silex taillé, si on veut comprendre comment il a été fait, on va le reproduire expérimentalement. En fait, on dit expérimentalement, mais ce n'est pas une vraie expérience, c'est plutôt une réplication. On va faire une réplication de gestes. C'est-à-dire on va retrouver l'enchaînement des gestes qui ont conduit d'une pierre brute à une pierre très travaillée. Et ces gestes, justement, ce qu'on recherche, c'est à reproduire ces gestes. Et lorsqu'on a une similitude parfaite entre les deux, on peut considérer que peut-être on a retrouvé les vrais gestes. On n'est jamais sûr que c'est vraiment les vrais gestes, mais on peut considérer que, par comparatisme, on peut approcher ces gestes-là. Donc on s'aperçoit que certains gestes qu'on pourrait penser comme des choses relativement rudimentaires, au niveau des techniques, hein, la gestuelle des techniques, on s'aperçoit que ce qui pourrait paraître comme ça, au premier abord, comme rudimentaire, est en fait très compliqué. Donc on a dans ces domaines-là des gestes qui ont pu être très sophistiqués, très maîtrisés, qui supposent une grande maîtrise justement de la gestuelle pour arriver à fabriquer certains objets. En général, les archéologues sont initiés à l'archéologie par la fouille. C'est une catégorie à part. C'est très rare qu'on ait des archéologues qui aient commencé par lire des livres d'archéologie et qui viennent au terrain après avoir lu beaucoup de livres d'archéologie. C'est rare. En général, les archéologues sont, au niveau de leur initiation, sont déjà un peu lambda, qui, pendant leurs vacances, veulent faire quelque chose d'un peu intelligent, au lieu d'aller simplement bronzer sur une plage, et qui sont intéressés, en gros, par le passé, mais ça peut être aussi par la vie en groupe. Enfin, il y a tout un tas de motivations des jeunes qui se tournent vers l'archéologie. Et puis, peu à peu, ils se prennent au jeu, quoi. C'est-à-dire que ils comprennent qu'on n'est pas là que pour creuser et trouver des objets, et que derrière, il y a un processus de connaissance qui suppose évidemment de travailler non seulement sur le terrain, mais aussi dans les bibliothèques. Et donc ça les conduit en général vers des études universitaires très longues, et qui ne sont pas toujours assurées d'avoir un débouché professionnel. Enfin, on arrive quand même à caser pas mal de jeunes dans les structures actuelles. L'imaginaire est important parce que c'est à la base des nouvelles hypothèses. Les nouvelles hypothèses, on les imagine avant de les formuler. On imagine que ça se passe comme ci, comme ça. Et puis après, on s'aperçoit que si on essaie de confronter ces idées imaginées à des réalités, que ça ne colle pas. Donc on rectifie le tir et ainsi de suite. C'est-à-dire en archéologie, comme dans beaucoup de sciences, on ne cherche pas la vérité, on cherche à éliminer des erreurs. Donc on procède plus par élimination de ce qui ne marche pas que par validation de ce qui est bien pensé. Parce que c'est compliqué, on est dans un domaine complexe et tout interagit. Si tel fait marche comme ça, les autres seront obligés de marcher, comme tous les faits sont liés, il y aura des interactions avec tous les autres faits. Donc, quand on revisite une question, en fait, il faut revisiter toutes les questions. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué.
technologie, c'est le structuralisme, c'est Claude Lévi-Strauss, c'est la pensée, c'est les croyances, c'est les mythes. La vraie ethnologie, c'est ça. C'est-à-dire, c'est du concept. Et nous, je pense que les archéologues, on ne peut pas atteindre ce niveau. Par contre, on peut atteindre ce qu'on appelle, nous, le niveau ethnographique. L'ethnographie, c'est plutôt une description des cultures matérielles, en gros. C'est-à-dire des techniques, les cultures matérielles, comment on fabrique un bateau, comment on fabrique une maison, quelles sont les connaissances mises en jeu, les matériaux utilisés, etc. Donc là, c'est un registre de connaissances qui est gigantesque et qui, pour nous, est un peu comme une bibliothèque, justement, d'habitus. L'ethnologie, pour nous, c'est une bibliothèque d'habitus. Donc on peut chercher dans l'ethnologie des points de comparaison pour tout un tas de faits qui ressortent plutôt du domaine technique que plutôt du domaine des croyances. Par exemple, dans le néolithique du nord de la France et de l'Allemagne, on trouve des disques en terre cuite qu'on appelle plat à pain. On appelle ça plat à pain. Personne ne les a vus fonctionner. Mais par comparaison, on suppose que ces plaques servaient à faire des galettes de céréales sur des plaques d'argile préalablement chauffées. En gros, c'est l'origine de la pizza, si on veut. Hein. Donc la pizza, on peut dire que, pour le néolithique en tout cas, elle n'est pas du tout italienne, elle est plutôt du centre et du nord de l'Europe. Bon, alors on a trouvé dans quelques sites lacustres des galettes, on les a retrouvées, brûlées, carbonisées. On a ces céramiques qui pensent que les hommes préhistoriques cuisaient ces galettes sur des plaques de céramique préalablement chauffées. Mais en gros, personne n'a jamais fait la recette. Donc, ça serait intéressant de le faire. Et là, on est dans une autre dimension qui est ce qu'on appelle, nous, l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que pour comprendre des choses dont on n'a pas de... pour comprendre des faits dont on n'a pas de référent, le seul référent qu'on peut trouver, c'est d'essayer de les refaire. Et là, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Et en éliminant toutes les formules qui ne marchent pas, au bout d'un moment, on atteint le plausible avec quelques formules qui marchent. Alors, l'empirisme... c'est une démarche scientifique, enfin c'est une démarche intellectuelle, elle n'est pas vraiment scientifique, mais elle est intellectuelle, mais je crois qu'on ne peut pas la jeter aux orties non plus, parce que souvent on pressent un peu les choses, hein, lorsqu'on travaille sur une question donnée, on a des pressentiments, on peut penser que ça s'explique comme ça, mais cet empirisme de départ, ce n'est que le départ. Si on veut progresser, si on veut aller plus loin, il faut dépasser l'empirisme du départ pour aller vers une démarche vraiment scientifique. C'est-à-dire, on va poser une question, on va voir comment on peut y répondre, et puis ensuite, on testera la pertinence de nos réponses. Parce que l'archéologue, contrairement aux sciences mathématiques ou physiques ou autres, en gros, on approche des connaissances réelles, mais on n'est jamais sûr à 100% que notre explication est vraie à 100%. Elle est souvent c'est la plus plausible. Un mot autre que celui dans les lettres d'archéologie, ça pourrait être le mot formation. Puisqu'on se dévoue en général, nous, à former des jeunes. On sait que notre temps est limité sur Terre, que notre œuvre, de toute façon, tout ce qu'on produit, c'est-à-dire que ce soit des articles, des livres, voir des films ou autre, bon, que tout ça sera cadré dans une période donnée,
que dans peut-être quelques décades, tout ça sera dépassé et sera regardé comme des vieilleries qui ont tout de même leur intérêt. Moi, j'adore regarder des publications, par exemple, du 19e, replacées dans leur contexte. Je trouve que des fois, il y a des auteurs qui sont particulièrement féconds, hein, qui sont particulièrement intelligents. Donc, il faut que du temps se passe pour qu'on retienne les choses importantes dans chaque époque. Néanmoins, bon, pour revenir à formation, je pense qu'il est très important de former les gens. Alors, former les gens, à mon sens, hein, c'est pas tellement leur inculquer des connaissances. Il faut leur inculquer des connaissances, sinon ils ne deviennent pas compétents dans leur domaine. Donc il faut qu'ils aient ces connaissances, mais ce n'est pas obligatoirement le rôle d'un prof ou d'un formateur d'inculquer ces connaissances. Ils peuvent les acquérir par eux-mêmes, en allant dans les bibliothèques, en lisant des bons auteurs, etc. Mais former, c'est plutôt, à mon sens, leur apprendre des postures intellectuelles, c'est-à-dire leur apprendre à travailler efficacement. Voilà. Donc, en gros, il y a deux volets dans la formation, à mon sens. Il y a leur inculquer des principes de base, donc le doute scientifique, se poser les bonnes questions, essayer de développer des méthodes nouvelles pour aller plus loin dans les connaissances, etc. Voir grand, ne pas hésiter à se déplacer pour aller voir les choses en vrai et pas uniquement d'après les sources livresques. Tout ça, c'est les principes. Mais je crois que le rôle d'un bon formateur, c'est plutôt de critiquer. Alors, critiquer, pas pour critiquer, critiquer pour ajuster. C'est-à-dire, plutôt que de former indistinctement une masse d'étudiants, avoir une relation quand même personnelle avec eux, essayer de leur dire, bon, mais là, tu dérailles, ça va pas, parce qu'il y a ça et ça. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt ce travail d'arbitre. À mon avis, les étudiants doivent travailler par eux-mêmes. Et nous, les profs ou les formateurs, qui ont une certaine expérience, je dirais, dans le domaine, on est là pour leur faire ajuster le tir. Voilà. Donc, pour les critiquer, mais sans les décourager, et pour leur montrer qu'il y a des contradictions dans leur système, et que donc il faut les résoudre. Et essayer de leur apprendre comment on renouvelle la discipline. Voilà. Donc, poser de nouvelles questions, faire un état des connaissances, renouveler par des nouvelles méthodes, et proposer des résultats, et puis même faire, si possible, sa propre auto-évaluation, c'est-à-dire chercher si dans tout ce qu'il a fait, il n'y a pas des failles. S'il les trouve lui-même, tant mieux. Mais aussi se confronter aux autres. Alors, ça peut être des collègues d'autres étudiants de l'université ou des collègues d'autres universités. Et en gros, s'inscrire dans une communauté scientifique. Plus elle est grande et plus le réseau de relations sera grand, et plus le réseau de discussions sera grand, plus l'intensité de la communication sera grande, plus ces gens seront bien formés, et plus ils auront de chances de devenir éminents dans la discipline.